Shalom les amis, bon après-midi à tous, à toutes, Bezat Hashem, Razak pour l'équipe de jour, Razak pour l'équipe de nuit, toujours là, présent, Baruch Hashem dévoué, engagé, Baruch Hashem, Asherenu, Matufrelkenu. Alors Bezat Hashem, on fait le cours pour la délivrance, pour le Refouach Shlema de tous les malades. Pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Benfortuné, Mordechai Benfortuné, Suzanne Bat Simon, Esther Bat Sara, Dov Hakohen Ben Shoshana Baruch, Valérie Dvora Bat Stasi, Golda Baruch, Avram Ben Rachel, Meir Malka Ben Jamila, Mesoda Bat Zeora, Tinok Ben Chava, Adélie Bat Cécile, Sandrine Bat Janine, Esther Bat Chassiba, Moshe Rafael Ben Chassiba Alevi, Rachel Bat Mercedes, Menucha Simcha, Etienne Ben Céline, Clara Yael, Mesouda Bat Miriam Daniel, Elsa Esther, Bria, Bia, Bat Bila, Bat Miriam Daniel, Michael Ben Miriam, Yigeta Isha Bat Fortuny Mazal, Shmuel Shlomo Ben Betty, Julie Journo, Dvora Miriam Bat Corina Yala, Ruth Alexandra Esther Chaya Bat Luna, Patricia Rahim Ben Ruth, Eliaou Moshe Ben Tzipora, Eden Bat Tzipora, Yohana Bat Tzipora, Levana Bat Tzipora, Tzipora Bat Chaya Kamra, Yosef Ben Sarah, Yohan Shalom, Yosef Ben Mazel, Fortuny Francine, Sylvie Shilbia Bat Miriam, David Bader Ben Dominique Dvora, Abraham Levi Tzrak Ben Sarah. Toutes les Yeshuot pour Esther Bat Sarah, Suzanne Bat Simon, Anne Bat Marie-Louise Bertha, Marie-Louise Bertha Bat Ida, Mesot Ben Mazel Tov, Michel Mazouz Ben Marcel Eritza, Ilana Elis Genoun Bat Jacqueline, Claude Moshe Ben Rishme, Frida Bat Esther, David Raphaël Cohen Ben Sarah, Monsieur et Madame Cohen à Sauveur et leurs enfants. Zivugim, Bezat Hashem, pour tous ceux qui ont besoin, parmi eux Avram Yehuda Ben Mazal Fortuné, Sylvie Bat Esther. Pour l'élévation, le repos de l'âme de Shirel Aboukrat, Simi Bat Esther, Shmuel Tibon Ben Yehuda, Michel Ritz Ben Francine, Kema Sirverovic Ben Ramon Mika, Bizerka Gal Bat Sara, Janine Bat Eglantine, Yozan Faler Menachem Yecheskel, Chaim Ben Suzanne, Nechama Duna Doli Bat Miriam, Eliaou Ben Sarah Juliette, Ida Bat Shana, Yaakov Ben Masoda, Mesod Israël, Shukrun. Pour ceux qui peuvent, qui ont la possibilité de venir à Ashdod, Bezrat Hashem, il y aura un cours à Ashdod, on fera la semaine prochaine. Mardi prochain à 20h. Je vais voir si je peux vous mettre l'affiche pour que vous voyez les détails. Alors, Bezrat Hashem, on va faire les deux halakhot du Chafetz Chaim. Zkhuto yegen aleinu, le Chafetz Chaim dit le Lashon Hara, la médisance concerne tout propos malveillant susceptible de causer du tort à autrui, même s'il reflète la stricte vérité. Toute parole mensongère, même partielle, on appelle ça du mot tsichemra, de la calomnie, ce qui est plus grave puisque l'auteur sait en plus la réputation de sa, salit en plus la réputation de sa victime à travers son mensonge. Donc, quand c'est de la vérité, ça s'appelle du lachonara, et quand c'est du mensonge, ça s'appelle motsi shemra, puisque il salit la réputation de la victime, puisque ce qu'il dit, c'est pas vrai. Alors, Bezrat Hashem, on continue dans l'étude sur le rapprochement, comment rapprocher les gens et en même temps pouvoir éliminer les énergies négatives qui sont prises sur eux. Donc, on a vu hier que l'erreur de Nadav et Avihu, c'est qu'ils avaient pensé que comme maintenant il y avait le Mishkan,
Donc il y avait une présence divine très forte, ça pouvait leur donner la possibilité d'éliminer le mal complètement, mais ils se sont trompés, puisqu'il fallait un certain temps pour que l'effet du Mishkan il soit accepté dans le monde, il soit vécu par les gens, et ils ne pouvaient pas amener ce feu-là au moment même où il y a eu le jour même de l'inauguration du Mishkan. Vekavanatam bevaida bevadaya letova. Leur intention, c'est sûr que c'était pour le bien. Sheratzu leore aliedeze esha mishpat hanal bikdusha yetera. Ils ont voulu éveiller le feu du jugement dans une grande sainteté, Bofan Sharisha Kula, Kashan Tirle Az, que tout le mal et disparaisse, tout le Révra, toutes ces clipotes-là qui empêchent la Gdusha, qui empêchent le Mishkan d'avancer, qui empêchent les choses bien de se faire. Ils voulaient les éliminer. Ils disaient, maintenant ça y est, on a la lumière du Mishkan, alors on va les éliminer. Kizeyadoua, Shen Shum Davar, Shemevare Ratov, Mimika Klipot. Parce que c'est connu qu'il n'y a rien de plus fort pour éliminer les clipotes que le feu de l'encens. Tout le feu de l'encens et des korbanot, des sacrifices qu'il y avait dans le temple et dans le Mishkan, tout le feu qu'il y avait dans ces endroits-là, il vient du feu du jugement, c'est-à-dire de feu de la vérité qui élimine le mal. Shoprinat labat esh, qui sont des flammes de feu. Prinat igula viribua kanal, qui sont le principe du rond et du carré. Shemechale ara veaklipot. C'est-à-dire, quand il y a le rond et le carré en harmonie, c'est terminé. Le mal, il a plus de, le mal, il peut plus, le mal, il rentre soit par le rond, soit par le carré, c'est-à-dire il rentre soit par le solaire, soit par le lunaire, c'est-à-dire soit il rentre par le manque de lumière, soit il rentre par le manque d'engagement par rapport à cette lumière. Donc quand il y a maintenant le rond et le carré qui fonctionnent ensemble, c'est-à-dire qu'il y a dans la racine, il y a Hachem, il y a, comme on a vu cette nuit, il y a la Shrina, c'est-à-dire il y a le Tzadik HaEmet, qui est la Shrina. Alors le Tzadik HaEmet, c'est le carré par rapport à Hachem. Hachem, c'est le rond, et le Tzadik HaEmet, c'est le carré. Ensuite, il y a le Tzadik HaEmet avec ses élèves. Alors le Tzadik HaEmet, c'est le rond, et les élèves en général, c'est le carré. Et on voit, Rabbi Nathan, il a dit plusieurs fois, que, parce que Rabbeinu, il a dit, si j'aurais besoin de 60 élèves comme il avait le Baal Shem Tov. Parce que le Baal Shem Tov, il avait Sishim Giborim, il avait 60 élèves. C'était le rond, c'est-à-dire c'était son cercle à lui pour le protéger. Donc le Baal Shem Tov, il a pas voulu venir tant qu'il n'avait pas une garantie qu'il ait 60 élèves. Alors Rabbeinu, quand il a annoncé à ses élèves que ça y est, il devait partir, Il a dit, j'aurais eu besoin des 60 élèves comme les élèves du Baal Shem Tov, c'est-à-dire pour être protégé. Mais en fait, Rabbi Nathan, il a dit après que même si Rabbeinu, il avait eu les 60 élèves comme le Baal Shem Tov, il aurait dû partir parce que il pouvait plus, c'est-à-dire il pouvait plus rester dans le monde, ce qu'il représentait, il pouvait plus rester dans le monde. Il fallait que soit ça passe dans le carré, soit ça reparte. C'était impossible que sa lumière, elle reste à l'état du rond comme il était. Donc il a eu Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan, il a dit plusieurs choses qui démontrent que oui, il est arrivé à être le carré de Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il avait, lui, il a eu 60 élèves comme le Baal Shem Tov, Rabbi Nathan. Il a dit, moi j'ai eu les 60 élèves. Et il a dit, voilà, moi j'ai une table, à ma table, j'ai une table plus grande que la table de Rabbeinu. Il dit, à col, tout, c'est par le kohar de Rabbeinu.
mais j'ai une table plus grande que la table de Rabbeinu. Le Maguide de Mezritch, il a dit la même chose aussi. Le Maguide de Mezritch, il avait 300 élèves, 300 tzadikim et des Nouraïm, 300 il avait le Maguide de Mezritch. Et il a dit, j'ai plus d'élèves que le Baal Shem Tov, j'ai plus grands élèves que le Baal Shem Tov, tout par le kohar du Baal Shem Tov. Alors maintenant dans le monde, vous avez Hachem et le tzadik, vous avez le tzadik et ses élèves, et après il y a les élèves du tzadik avec le reste du monde qui doivent continuer à représenter le rond par rapport à tout le monde qui représente le carré. Alors, quand les deux arrivent à être en harmonie, ça ne veut pas dire automatiquement que c'est toute la lumière du rond qui va aller vers le carré. Ça veut dire que le carré, il est optimisé par rapport au rond. Il reçoit, ça peut être des chaussures à trois coins, mais il est optimisé. C'est-à-dire il est bien par rapport au rond. À ce moment-là, il y a de la simcha et ça détruit le mal. Simcha, Shimche Zecher Amalek. La Simcha, ça efface Amalek. Pourquoi? Parce que la Simcha, c'est le résultat de l'harmonie entre l'homme et la femme, entre le soleil et la lune, entre le rond et le carré. Quand le rond et le carré, ils sont en harmonie, alors il y a de la Simcha. Et la Simcha, ça détruit toutes les clipotes. Il n'y a rien qui détruit les clipotes comme la Simcha. La Simcha, c'est la fin des clipotes. Mais le résultat de la Simcha, c'est justement de faire rentrer la lumière du rond dans le carré, de manière à ce que tout le mal parce que le mal, il a une emprise sur le carré, pas sur le rond, il n'y a pas de mal, puisque le rond lui-même, il annule le mal. C'est-à-dire, il n'y a pas une possibilité que le mal, il va s'attaquer au rond. C'est-à-dire, en tant que mal, il peut empêcher, comme il a empêché Rabbeinu de se révéler, il a fait de la marloquette contre lui, des histoires, etc. C'est très difficile parce que eux ils avaient des moyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous aussi, voilà, aujourd'hui, hier, ils m'ont appelé d'Oman, ils ont reçu des papiers du tribunal, la police et tout. Et après, ils m'ont dit que les rabbanim, ils ont été les rabbanim, il faut les appeler des rabbanim, c'est honteux. Les gens du Révrab, ils ont distribué des sommes d'argent partout. Ils ont donné à l'armée ukrainienne, ils ont donné au maire, ils ont donné à la police, ils ont donné aux juges. Ils ont distribué de l'argent partout. Alors qu'hier, ils ont envoyé des papiers pour empêcher encore de travailler, les trucs et tout. Et ben, au Hachem, les Révrab, ils travaillent tout le temps. Ça prouve qu'il se passe quelque chose. Parce que les Révrab, quand ils attaquent, ça veut dire qu'il y a des choses intéressantes pour nous. Heureusement que c'est Rabbeinu qui s'occupe, sinon, comment on aurait fait? Si c'est pas Rabbeinu qui s'occupe de nous, on n'aurait aucune chance. Donc, le rond, ce qui est rond et ce qui est carré, il faut que ça soit en harmonie. C'est-à-dire qu'il faut que les moyens de la personne soient optimisés dans sa capacité d'engagement par rapport à la lumière divine. Et à ce moment-là, il y a de la simcha. Quand il y a une harmonie, il y a de la simcha. Et quand il y a de la simcha, c'est fini. Aman Amalek disparaît. Amen, amen. Prinat Igula Veribua, Shemrikale Ara Veaklipot. Le Ribua, le Igula et Ribua, le rond et le carré, ça détruit le mal, les clipotes. Vem Tavu Taou, Vesavu Shekvar Igeaet. Voilà leur erreur. Leur erreur, c'est une erreur de timing. Et croyez que ça y est, c'est possible. On peut y aller. Viesh Bekoham Leotsem Kudushatam. Ils ont la force avec leur grande sainteté, les va'er ou les chalot alliés des échaktoret, chez aussi fou les va'er kolara vers klipot les gamres. Ils ont dit maintenant, on va, avec là où on est arrivé nous, parce que c'était des très grandes tzadikim, en plus on va rajouter le feu de l'encens,
Et avec ça, on va brûler les clipotes complètement. Alken écrivou eshak toret shelo bismana. Donc en fait, toute la démarche qu'ils ont faite, elle était valable, mais c'était pas le moment de le faire. Tout c'était bien, mais dans le temps, c'était pas le temps dans lequel on pouvait faire cette chose-là. Shakatov koreota esh zara. La Torah l'appelle esh zara, un feu étranger. Changer la carte SIM en SIMRA. Oh, c'est bien. Non, ta chaîne. Merci, Adam Soussan. Tu veux la délivrance de tous ces gens, Rabbeinu, la SIMRA, Tamed, Amen. Merci à vous, que Hachem vous bénisse. Esh Zara s'appelle un feu étranger. Qu'est-ce que c'est un feu étranger? C'est vrai que c'est un feu. C'est vrai que normalement il doit brûler les clipotes et tout, mais il s'appelle étranger. Pourquoi il est étranger? Parce que il rentre pas dans le contextuel. Faut qu'il rentre dans le contextuel, sinon ça sert à rien. Si tu amènes un médicament qui rentre pas dans le contextuel, c'est détruit. Pourtant, c'est un médicament. C'est vrai que c'est un médicament, mais c'est pas pour cette maladie-là, ou c'est pas maintenant, ou c'est pas à ce stade-là, etc. C'est pas le moment pour ça. C'est-à-dire, esh zara. C'est-à-dire que les gens, ils pensent que du moment où c'est de la lumière, c'est la lumière de la Torah. Alors, c'est la lumière du tzaddik, c'est la lumière de la vérité. Donc, si on dit comment on balance de la vérité, etc., donc ça va marcher. Non, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que tu prennes toujours la température du carré, le positionnement du carré, et le carré, c'est ce qu'il va recevoir. Et par rapport au positionnement du carré, tu vas donner, comme Rabbeinu dit dans l'Écoutez-moi, le berger doit savoir exactement ce que la personne a besoin. C'est-à-dire, il faut qu'il soit la plus grande mahala, c'est-à-dire la grandeur du berger, c'est qui sait ce dont les gens ont besoin. Bien sûr qu'il a tout, il a une pharmacie où il y a tous les médicaments, mais c'est pas sa grandeur, c'est pas d'avoir tous les médicaments. Sa grandeur, c'est de pouvoir tester, de savoir de quoi tu as besoin. Et il va te dire de quoi tu as besoin exactement. Je me souviens ici quand une fois Rav Yitzhak il avait parlé comme toujours de Hatzot et tout à Sukkot, et on était là et il y avait notre ami de France qui était Chouchette, et il est venu voir Rav Yitzhak après. Il a dit: mais moi je peux pas me lever à Hatzot parce que je commence à travailler à 4h du matin, je dois être à l'abattoir et tout. Si je me lève à Hatzot, j'ai pas l'éveil qu'il faut, la force qu'il faut pour faire attention à mon travail, etc. Alors Rabbi Yitzhak lui a répondu tout simplement, elle m'a dit: tu sais, quand j'ai parlé de Hatzot, j'ai parlé pour tout le monde sauf pour toi. J'ai pas parlé pour toi. Ça s'applique pas à toi. Vous voyez, le da'at, c'est pas tu prends tout et tu balances. C'est pas ça. Tu vois la personne où elle est. Qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant? Où elle se trouve? Qu'est-ce qui va l'aider à faire un pas? Et tu lui donnes juste ça, c'est tout. Tu ne donnes pas plus. Parce que dès que tu donnes plus, ça s'appelle Eshzara. Ça s'appelle étranger. Et après, ça devient de la Vodazara, comme la plupart des gens. Ils viennent se plaindre, ouais, truc, voilà, j'ai tout, j'ai de la Torah, j'ai tout, mais ça ne marche pas dans ma famille, je suis malheureux. Non, c'est de la Vodazara. C'est pas parce que c'est de la Torah que c'est vrai. De la Torah vraie, il faut qu'elle soit adaptée à tes capacités. Si maintenant la Torah que tu reçois, elle est en fonction de tes capacités, alors ça s'appelle de la vérité. Il y a de la simra, il y a de l'harmonie, on avance. Mais si maintenant tu as une vérité qui est au-dessus de tes capacités,
elle va détruire. Rabbi Nathan dit beaucoup de gens, ils s'en sont éloignés avec la vérité, pas avec du mensonge. Il y a beaucoup de gens qui sont honnêtes, sont très honnêtes et ils cherchent et tout. Mais la vérité qu'ils ont calquée, c'est-à-dire la vérité à laquelle ils veulent s'identifier, elle est trop haute pour eux. C'est trop haut. Qui est-ce qui va te dire? Qui est-ce qui peut te dire ça? Où tu te trouves? De quoi tu as besoin? Quand moi j'étais Bachour à la Yeshiva, j'étudiais toute la journée, on me dit non, il faut que tu arrêtes, il faut que tu ailles travailler. Tu peux pas, tu n'es pas la Madriga, tu n'es pas au niveau d'étudier toute la journée. Toi, tu crois étudier la Torah toute la journée, c'est pour tout le monde. Voilà, ils ouvrent des centres, allez, venez étudier toute la journée, allez les amis et tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait voir, est-ce que cette personne, elle est capable d'étudier toute la journée? Étudier toute la journée, ça veut dire rentrer de la lumière divine. Chaque mot, c'est de l'infini. Chaque mot de Torah, c'est de la lumière divine. Ok, tu rentres de la lumière divine, tu es capable de gérer ça. C'est-à-dire, est-ce que ça te donne de la simra? Est-ce que ça se transforme en énergie? Est-ce que ça se transforme en énergie positive? Est-ce que ça te donne de la simra? Est-ce que ça te fait avancer? C'est ça que tu dois regarder. Donc maintenant, il faut que la personne, avant de te... Comme si tu vas à une station-service, tu vas pas... Tu regardes d'abord qu'est-ce qui est adapté à ton moteur. Tu ne veux pas mettre du gaz si tu as un moteur à essence, ou tu ne veux pas mettre du fuel. Tu regardes que c'est adapté à ton moteur. Et si tu mets, ça roule. Tu mets autre chose. C'est vrai que c'est un combustible ou un carburant. C'est un carburant, mais ce n'est pas le carburant de ton moteur. Donc, il va te mettre en panne. Et après, tu vas t'énerver. Tu dis, mais je ne comprends rien. J'ai mis du carburant, j'ai fait le plein et je suis tombé en panne. Alors que j'ai le réservoir, c'est vrai qu'il y a le réservoir plein, mais ce n'est pas le carburant qu'il faut. Donc c'est ça qu'on a besoin, c'est ce qui s'appelle le da'at, c'est-à-dire le da'at, c'est la fusion entre le savoir et le vécu, c'est-à-dire entre le savoir et la bina, entre le savoir qui est le rond et la bina qui est le carré. Quand il y a la fusion de ces deux choses-là, alors à ce moment-là, on peut éliminer le rat. Sinon, ça s'appelle Esh Zara. C'est vrai que c'est du feu, mais il est étranger. C'est-à-dire, il va pas faire ce qu'il doit faire. Et tu comprends pas. Tu dis, mais je comprends pas. Je fais tout, être égale, ça marche pas. Parce que c'est pas adapté, c'est tout. Cherche le niveau. Peut-être le niveau les plus hauts, peut-être le niveau les plus bas. Cherche le niveau adapté. Et quand tu trouves le niveau adapté, à ce moment-là, ça s'appelle du feu qui va éliminer le mal. C'est valable individuellement aussi, c'est-à-dire chacun. Quand tu n'arrives pas à éliminer le mal qui est en toi, que tu vois que ça fait des années, que tu as les mêmes problèmes, etc., ça veut dire que tout simplement la méthode que tu appliques, elle n'est pas bonne pour toi, ça ne rentre pas. Tu ne prends rien. C'est-à-dire tu fais, mais tu ne prends rien. Parce que ça ne te change pas. Normalement, ça doit te changer. La Torah, elle doit t'améliorer, elle te doit te faire avancer. Si maintenant elle ne te fait pas avancer, ça veut dire que là où tu t'es positionné, ce que tu fais, ce n'est pas adapté à toi. Parce que si c'était adapté, d'abord ça va donner de la simra, tu vas être joyeux, tu vas donner de la simra tetseo, quand tu es joyeux, tu sors de toutes les clipotes, de tout, tu es quelqu'un de libre. Tu es libre. Quand le rond et le carré sont ensemble, c'est la liberté, c'est fini, il n'y a plus rien qui peut t'empêcher. Donc, quand tu vois que des années et des années et des années, tu n'arrives pas à t'en sortir, ça veut dire que tu n'as pas trouvé le degré de lumière qui est adapté à toi. C'est tout. Tu as copié un modèle existant. Alors, bien sûr, les gens te proposent des modèles. Ils te proposent beaucoup de modèles. Dans, à Breslev, à Ouman, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de yeshiva, il n'y avait pas de kollel, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas de structure. La structure, c'était le minimum. C'est les murs et les livres et le Sefer Torah, c'est tout. C'est tout. Tu veux étudier, viens. Des fois, les gens ils viennent et me disent, je ne sais pas quel yeshiva choisir et tout. Je dis, quel yeshiva choisir? Un yeshiva, c'est quoi? Il y a des livres, ouais. Il y a des où s'asseoir, il y a où manger, il y a où dormir. Il y a des enseignants, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux d'une yeshiva? Non, mais la yeshiva, elle est très...
Qu'est-ce qu'une yeshiva? C'est un endroit où on apprend la Torah, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de... À Ouman, il n'y avait pas ces structures-là. La structure, c'était le Kloïs, voilà, la synagogue de Rabbeinu. Jour et nuit, c'était ouvert, 24 heures sur 24. Celui qui veut étudier, celui qui veut prier, eh bien, il y a les livres. Celui qui veut étudier avec quelqu'un, trouve quelqu'un, il étudie Ravota avec quelqu'un. Celui qui veut quelqu'un lui enseigne, il trouve quelqu'un, il dit, tu peux pas m'aider dans ça. C'est tout. Il n'y a pas besoin de tout ça, il n'y a pas besoin de tout ce qu'il y a autour. Parce qu'après, dès que tu augmentes la force de la structure, en fait, dès que tu structures le rond, automatiquement le carré il peut plus être adapté parce qu'il y a structuré le rond, alors que toute la grandeur du rond c'est de pas être structuré, c'est libre, tu laisses les gens rentrer comme ils veulent, tu laisses les gens étudier comme ils veulent. Il y a des endroits non, tu dis tu peux pas étudier ça, il faut pas étudier comme ça, tu dois étudier comme ci, tu dois faire comme ça. Il y a des gens qui sont à un niveau où ils doivent étudier un peu de ça, ils aiment étudier un peu Zohar, ils aiment étudier ça. Il y a des endroits où on ne les laisse pas, on dit non, ici il y a une structure. Alors quand tu structures le rond, automatiquement il y a le carré qui va en pâtir, puisque la personne, elle ne va pas trouver sa place. Ah, maintenant ça aide. C'est sûr que quand tu structures le rond, tu obtiens des résultats très rapides. Puisque structurer le rond, c'est le contraire de l'essence du rond, c'est d'être structuré. Tout le rond, c'est de l'inspiration, de laisser les gens, c'est le cœur de laisser les gens chercher. C'est sûr que quand structure, tu obtiens des résultats immédiats quand tu structures le rond. Mais seulement les résultats que tu as obtenus, c'est pas des vrais résultats. C'est des résultats uniquement de pression, c'est tombé. C'est pas des vrais résultats. C'est pas des résultats à long terme. C'est des résultats à court terme. Après, ça va tout partir. Non seulement ça part, mais ça détruit aussi. Alors voilà, les gens ils développent des structures, superstructures et trucs. Ils n'ont pas besoin de superstructures. Il a besoin minimum. La structure, il faut qu'elle soit toujours minimum. Il faut pas qu'elle soit forte. Qu'elle soit juste pour permettre de fonctionner. Mais il ne faut pas ajouter. Parce que plus tu rajoutes, plus ça devient sélectif automatiquement. Ça y est, tu vas éliminer des gens. Et même la méthode elle-même, elle est contradictoire. Normalement, tu dois avoir des espaces, comme c'est la mode des espaces. Espace Torah, espace Tfila, espace discussion. Des espaces, c'est tout, les gens ils viennent. Personne n'est payé, personne ne paye, personne n'a de truc, les gens ils viennent, c'est tout, ils font ce qu'ils veulent, ils cherchent. Normalement, ça doit être comme ça. Et à ce moment-là, les gens ils vont prendre ce qu'ils ont besoin. Mais si tu crées une structure, ça y est. Elle base David. Alors il faut faire quoi? Eh bien, il faut être là, c'est tout, tranquille. Il faut faire Idbodedout et étudier ce que Rabbeinu dit d'étudier en priorité la halakha et après chercher doucement chercher son degré, sa méthode. Qu'est-ce que vous voulez demander? Pourquoi vous n'avez pas compris ce même de structurer? J'ai l'impression que le but du carré c'était justement de structurer, de canaliser tout le rond, de faire rentrer dans un kéli qui soit adapté. Alors, je n'ai pas compris, vous dites que la structure, elle empêche le rond de... Je n'ai pas parlé de la structure du carré, j'ai parlé de la structure du rond. Quand le rond, il veut structurer, c'est-à-dire normalement, le rond, il doit donner, c'est tout. Il n'y a pas. Dans une maison, un mari, il est là pour donner, c'est tout. C'est tout, il donne. Comme vous avez dit hier, proposé. Hein? Comme vous avez dit hier, proposé, voilà. Cette proposition. Et donne, c'est tout. On ne peut pas structurer. Parce que c'est le contraire de la nature du rond.
Le rond, il est là pour donner, c'est tout. Je suis à votre service, vous voulez quoi? J'ai tout en stock, vous voulez quoi? Tu as besoin de ça? Voilà, je suis là. C'est la fonction d'un mari, d'un père. C'est de donner, c'est tout. Un père, il n'est pas fait pour prendre. Il n'est fait rien que pour donner. Il donne, on dit, à part Nassar qu'un homme ne reçoit. C'est pour sa femme, ses enfants. Donne, c'est tout. Le rond, il n'est là que pour donner. Donc mais quand tu commences à structurer le rond, c'est-à-dire que tu fais des propositions qui sont vertébrées déjà, où il y a déjà une orientation. Alors automatiquement, celui qui rentre là-dedans, il doit s'adapter à la forme que tu proposes. Il n'est pas libre. Et toi, tu dois le laisser libre. Si tu veux que maintenant le carré fonctionne comme il faut que tu le laisses libre de chercher, de vouloir, d'aimer. Et à ce moment-là, ça marche. Pour ça, il faut que le solaire, que le rond, il soit à sa place. C'est-à-dire, c'est que donner, c'est tout. Et quand tu dépasses le rond, il dépasse sa fonction qui est de donner. Et il commence à vouloir prendre. Prendre, ça veut dire il veut des résultats. Comme ici, tu vois, c'était bien que Nadav Aviou, c'était Tzadikim Noraim, des Tzadikim de très haut niveau, mais ils ont voulu des résultats. Ils pensaient, voilà, maintenant, on y va, on lance l'attaque. Mais ce n'était pas le moment. Comment ils se sont trompés? Pourquoi ils se sont trompés? Parce qu'ils n'étaient pas en contact avec le carré. Donc, ils ne savaient pas ce que le carré avait besoin. Mais le rond, il doit être complètement au service du carré. Si maintenant le rond, à un moment, il commence à jouer lui-même le carré, à structurer, ça y est, c'est terminé. Ça devient sélectif, ça devient de l'élite, et puis ça entraîne l'Edgarout du mal. Le mal, il se renforce. Quand maintenant la structure, elle est trop forte, ça renforce le mal, puisque ça donne un côté sélectif, élite, et les gens ils rentrent dans de la compétition, etc. Comme il a dit le Yenouka, là, celui qui enseigne, là, il a dit que c'est une maladie, la compétition dans la Torah. Et tout. Il n'y a pas de compétition dans la Torah. Ça n'existe pas, c'est une notion qui est pas, elle ne fait pas partie de la Torah. Ça, c'est quand le rond, il se prend au carré. C'est-à-dire quand le rond, il commence à être carré. Alors, il crée des compétitions, un système de compétition. Celui-là, il a réussi plus, l'autre, il a réussi. Ça ne veut rien dire, il a réussi plus. Chacun, il est différent. Donc, comment tu peux dire il a réussi plus ou il a réussi moins? Il n'y a pas un étalon de la réussite. On n'a pas un modèle déposé de voir ce que c'est la réussite. Et celui qui a réussi à ça, donc il a réussi. Il n'y a pas d'étalon. On cherche, c'est tout, et on avance, on se rapproche d'Hachem. Chacun selon sa neshama. Donc, Eshzara, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un feu, mais l'étranger. Pourquoi étranger? Parce que ce n'est pas le moment. Chaliedézé, Nenchou, Venisrefou. Ça, ça les a brûlés à eux-mêmes. Eux-mêmes, ils se sont brûlés. Et tu vois combien de gens, malheureusement, ils se brûlent eux-mêmes. Ils se brûlent eux-mêmes parce qu'ils ont, ils ont voulu aller trop loin par rapport à leur capacité, c'est tout. Ils n'ont pas tenu compte de leur carré. Ils ont été chercher un rond qui est trop haut pour eux. Combien de gens, ils se plaignent que leur femme, elle veut aller faire des courses là, ou que leur femme, elle veut aller au théâtre, ou qu'elle veut aller à la plage, ou n'importe quoi. Ils disent, mais moi, je suis pas, c'est pas pour moi. Moi, je veux de la Torah, je truc et tout. Mais la femme, c'est son carré à lui. Seulement lui, comment il est dans l'imagination, lui, il croit qu'il a rien à voir à faire avec ces choses-là. C'est pas qu'il a rien à voir. Si le carré, il exprime ça,
D'où il reçoit le carré? Il reçoit du rond. Donc, si le carré, il exprime ça, ça veut dire que ça se trouve en lui. Sinon, pourquoi ça va exister, ces choses-là? Le carré, tu ne peux pas lui reprocher d'avoir des initiatives de lui-même. Lui, il ne fait que recevoir, c'est tout. Donc, s'il a des initiatives comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit maintenant, le mari, il n'a pas de pouvoir, parce que lui-même, comme on a vu, il n'a pas de tikkun abrit, il n'a pas l'alliance, donc il n'a pas de pouvoir. Donc il ne peut pas transmettre, il n'arrive pas à transmettre. Et il y a des énergies qui viennent et qui se greffent dans le foyer, et des énergies étrangères qui viennent. Parce que le mari, il n'a pas le rond, il n'a pas la capacité de maîtriser et de transmettre. Bien qu'il sache des choses et tout, mais il ne peut pas transmettre parce qu'il est, il est éliminé à cause des problèmes, ses problèmes de comportement. Il n'arrive pas à transmettre. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire, c'est pas, il n'y a pas un nian que le mari c'est un tzadik et sa femme elle veut aller à la plage écouter les Beatles. C'est comme ça, un d'abord casé. Ça n'existe pas. Il n'y a pas des extrêmes comme ça. Donc, maman, ils ont été brûlés par le feu qu'ils ont emmené. Alors, quand ils ont emmené un feu qui était supposé éliminer le mal, et ce feu les a brûlés à eux-mêmes. Qui y efchar les trop ketacha, parce qu'on ne peut pas pousser l'heure, c'est-à-dire on ne peut pas rentrer d'accélérateur dans le. On ne peut pas rentrer d'accélérateur. C'est-à-dire toute la machloquette contre Rabbeinu, toute la machloquette qu'il y a eu contre Rabbeinu, ça a donné des systèmes d'accélération dans le monde. Ça a donné la révolution industrielle, le travail à la chaîne, toute cette accélération dans la production, dans la productivité et dans d'autres domaines aussi. Ça, tout ce système d'accélération, c'est venu de la déconnexion avec Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que tu vois toute la ta'ana, c'est-à-dire tout ce qui vient, Korach, il vient. Il dit à Moshe Rabbeinu, mais je ne comprends pas. Tous, ils étaient au Har Sinaï. Tous, ils ont entendu la Torah. Donc, qu'est-ce que tu veux d'eux? Laisse-les tranquilles, ils ont tous entendu la Torah. Donc, ils sont tous capables. Ils sont tous capables de faire, puisqu'ils étaient tous présents, ils ont entendu la Torah. Alors maintenant, on nous dit que Korach, c'est un hérétique. Que Korach, il voulait détruire le monde, il voulait ramener le monde à Tohu Vavohu, il voulait détruire, ramener le monde au néant. Pourquoi son attitude, c'est ramener le monde au néant? Parce que Korach, il voulait Korach, c'est un Lévi. Maintenant, le principe du Lévi, c'est d'être le carré du Kohen. Le Kohen, c'était Moshe Rabbeinu. Dans lui, il devait se soumettre à Moshe Rabbeinu. Maintenant, lui, il voulait imposer au monde une vision de Lévi. C'est-à-dire, il voulait imposer une vision de carré. Et c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont fait le MLF et les trucs de la femme, tout ça. C'est que le carré dirige. Maintenant, quand le carré dirige, il n'y a plus de rapport avec la réalité. C'est-à-dire, lui, il a dit, voilà, tout le monde a entendu la Torah. Donc, il n'y a personne, nul n'est censé ignorer la loi, c'est tout. Voilà, quelqu'un, il a entendu la Torah, ça veut dire, il doit faire, c'est tout. Il ne tient pas compte de qui c'est, de son niveau, il ne tient compte de rien. Il dit, voilà, il y a eu la Torah, on t'a dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, voilà, tu dois le faire, c'est tout. Il n'y a pas de on ne tient pas compte de qui tu es, de rien du tout. Ça vient quand le carré... Il veut diriger. Donc ça amène c'est ça qui amène la destruction. Dohek et Tacha, ils ont voulu, eux,
accélérer dans le temps, c'est-à-dire mettre de la pression pour que ça marche. C'était pas le moment. Ils ont pas voulu attendre le moment. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, jamais Rabbeinu disait des choses s'il n'y avait pas un appel d'en bas. C'est Rabbeinu, il voyait pas quelque chose dans la réalité qui avait un rapport avec ce qu'il voulait enseigner. Rabbeinu savait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que Rabbeinu il nous a pas dites parce que le monde n'était pas capable de vouloir ces choses-là encore, comme le livre brûlé ou le livre caché ou le Sefer HaGanouz, le livre caché ou bien le septième mendiant. C'est des choses que Rabbeinu il a pas. C'est des choses qui pouvaient le septième mendiant. Rabbeinu l'aurait pu le raconter, mais il n'a pas raconté parce qu'il n'y avait pas en bas une demande. Donc s'il n'y avait pas une demande en bas, impossible d'enseigner parce que ça va faire de la destruction. Maintenant, le livre caché, c'est un livre que le monde ne pouvait pas. Le livre brûlé, il était obligé de le brûler. Impossible. Le monde ne pouvait pas supporter cette lumière-là. Donc le tzaddik, il vérifie tout le temps en bas quel est l'appel du carré, où se trouve le carré. Mordechai, tous les jours, il va au Hatser Bet Anashim. Le Hatser, c'est le carré, c'est la cour. C'est la cour où elles étaient les femmes de Ahavrushverosh. Il allait voir Shlom Esther. Il allait demander à Esther comment ça va. Rabbeinu dit que Mordechai, le tzaddik, tous les jours, il va voir le positionnement de la Shrina, où elle se trouve, c'est-à-dire où se trouve le carré en ce moment. Et selon maintenant le positionnement du carré, alors il donne la lumière adaptée. Mais des gens, ils se sont fixés dans des systèmes, des images de réussite, des films en fait, c'est des films de réussite. Il y a des films comme ça, un film sur ce que c'est la réussite, ce que c'est le bonheur, ce que c'est la réussite professionnelle, ce que c'est la réussite de l'éducation, la réussite des rapports familiaux, etc. Il y a des films qui voilà à quoi il faut ressembler. Mais les gens, ils sont pas capables de ça. Ou bien c'est pas assez pour eux, ou bien c'est trop. C'est pas adapté à eux. On cherche pas ce que la personne a besoin. On envoie des choses pour justement dominer les gens, pour les rendre esclaves, etc. On cherche pas le vrai besoin des gens. C'est normal d'un autre côté parce que on a affaire à des gens qui sont inconscients eux-mêmes. Ils savent même pas ce qu'ils font. Et c'est pas eux qui vont savoir de quoi quelqu'un il a besoin. Ils savent pas du tout de quoi les gens ont besoin. Après, ils s'étonnent, il y a de la délinquance, il y a des trucs, il y a toutes sortes de problèmes. C'est normal qu'il y ait des problèmes puisque le système, il donne certaines façons d'être. Et il y a des gens qui sont pas capables de jouer le jeu, de faire semblant d'être ça. C'est pas tout le monde qui peut vivre une autre vie que la sienne. Le système, il te propose une panoplie de modes de vie. Alors, si tu ne rentres pas dans cette panoplie, ça y est, tu es éliminé. Alors, la plupart des gens, ils doivent faire semblant. Ils doivent mettre un vêtement qui n'est pas adapté à eux. Il est trop petit, ou il est trop grand, ou il est trop serré, ou il est trop chaud, ou il est trop fin. Mais ils sont obligés de faire avec, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Alors, ce qu'on te propose, c'est tout. Ou tu rentres là-dedans, ou ça y est, tu ne vas pas tenir. Alors, Dochek et Tachar, c'est-à-dire, il appuie pour que ça se passe vite. Mais ça, le désir d'accélération, ce désir d'accélération, ça vient d'un manque d'harmonie entre le rond et le carré. Parce que s'il y a une harmonie, il n'y a aucune raison qu'il y ait un décalage entre les deux. Parce que les roues, elles vont tourner avec le moteur. Le moteur, il ne va pas tourner plus vite que les roues. Et les roues, elles ne vont pas aller moins vite que le moteur. C'est en harmonie. Il n'y a aucun problème. Les systèmes, malheureusement, ils proposent des choses qui sont complètement désadaptées, inadaptées plutôt. Aval me'achar shekavanatam haya latova. Maintenant, eux, ils avaient une bonne intention. C'est des tzadikim. Ils ne voulaient pas faire quelque chose de pas bien. Ils avaient une bonne intention. Alken zachou she'aliede mitatam tiknu harbe. Ils ont eu le mérite que leur mort, ça a réparé beaucoup de choses. Kinit kadesh ha'mishkan al yadam. Parce que le mishkan, il s'est sanctifié grâce à eux.
comme ils ont dit nos sages, Shamar Moshe, Moshe il a dit, Savour Haïti, Sheit Kadesh Amishkan, Bi, Obecha. Il a dit à Aaron, il a dit, j'avais pensé que le Mishkan, il allait se sanctifier avec moi ou avec toi. Arshav Aniroe, Shem Gdolim, Mimene, Mimcha. Maintenant, je vois qu'ils sont plus grands. Tes enfants, ils sont plus grands que nous deux. Que les Nadab et Abihu sont plus grands que nous deux. Afalpiken, lo alta beyadam letaken bechayem. Malgré ça, ils n'ont pas pu réparer de leur vivant. Adraba, au contraire, neenchuv venechav lahem leavon. Ils ont été punis et ça leur a été considéré comme une faute. C'est considéré comme une... Qu'est-ce que c'était la faute? C'est inadapté. Donc, c'était ça leur faute. C'était vrai, c'était des grandes sadikim, c'était vrai, mais c'était inadapté. C'est très grand, mais c'est inadapté. C'est-à-dire que ce n'est pas le besoin du moment. Raggarmu tikkun alede mitatam. Mais comme c'était des tzadikim, mais ce qu'ils voulaient, c'était la vérité, ils ont traîné une réparation avec leur mort chez Nitkadesh en Mishkan. Comme le Mishkan, il a été sanctifié par leur mort. Shouprinat hechal akodesh alede istalkutam. Donc leur mort a sanctifié, a permis la sanctification du Echal HaKodesh, c'est-à-dire du palais saint d'Hachem, par leur mort. Tzadikim gdolim keshenistalkim, parce que les tzadikim ils sont grands quand ils sont décédés. Hem baim miyad leprinat Shabbat. Tout de suite quand ils sont décédés, tout de suite ils rentrent dans le principe de Shabbat. Vezochim de yom shekulo Shabbat mnucha. Ils rentrent dans le jour qui est entièrement Shabbat, entièrement repos. Beprinat yavo shalom yanochu al mishkevotam. Comme c'est écrit que vient la paix et qui se repose dans leur couche là où ils dorment. Yanochu daika prinat Shabbat mnucha. Qu'est-ce que c'est yanochu? C'est le Shabbat, c'est-à-dire que c'est vraiment le jour du repos, comme Shkatov et Daniel, Vata lech la ketz vetanuach. Comme c'est écrit dans Daniel, toi va à la fin et là-bas trouve ton repos. Donc le principe du Shabbat, c'est le principe du repos. Pourquoi c'est le principe du repos? Pourquoi c'est la simra? Parce que Shabbat, en fait, tu vas recevoir en fonction de ce que tu as fait dans la semaine. Mishetarach. Beref Shabbat, Yochal Beshabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, tu vas rentrer. Le Shabbat, il y a tout dans le Shabbat. Il y a tous les niveaux. Seulement les accès, ils sont automatiquement gérés. Quand tu rentres dans Shabbat, tu vas recevoir un surplus d'âme qui est calculé par rapport à ta recherche dans la semaine. C'est-à-dire plus dans la semaine, tu as cherché à te rapprocher d'Hachem, plus le Shabbat, tu vas recevoir une âme qui a plus d'énergie, qui a plus de lumière. Donc, il y a Shabbat, c'est Shabbat Shalom, c'est-à-dire Shabbat, il n'y a pas un lien que tu vas dépasser ou. Shuvu ishtachtav, c'est écrit que chacun il reste dans sa place. Alietse ish, mimekomo beyom ha Shabbat. Que personne ne sorte de sa place le Shabbat. C'est-à-dire Shabbat, en fait, tu es à ta place, c'est tout. Shabbat, tu as une vision de ton travail de la semaine. Voilà ce qu'il a donné comme résultat. Dans la semaine, tu vois pas, tu travailles, mais tu vois pas de résultats. Les résultats, tu les vois le Shabbat. Dans le Shabbat, c'est le Shabbat du repos, c'est le shalom, c'est-à-dire que tu rentres dans ce que tu as découvert toute la semaine, tu vas aller vers la simcha de tout ce que tu as fait dans la semaine, là où tu t'es investi, comment tu as travaillé, là, tes choix, ce que tu as évité, comme la shonara, comme truc, comme tout ce que tu as fait comme effort dans la semaine, tu vas recevoir tout ça le Shabbat. Donc les tzadikim, quand ils rentrent dans Shabbat, quand ils passent dans l'autre monde et ils rentrent dans le repos, c'est-à-dire dans ce shalom là, c'est-à-dire là-bas, il n'y a pas de décalage. Ici, tu as le métaverse, ici, tu as l'imagination, tu peux vivre dans l'imaginaire total. Mais là-bas, il n'y a pas d'imaginaire, c'est terminé. C'est-à-dire que la personne, elle se met à sa place, comme le Shabbat. Le Shabbat, il met la personne à sa place. Comme le Zohar, il dit, que Rabbi nous rapporte, tu connais le Zohar, que le Shabbat, c'est le,
l'œil, c'est-à-dire c'est la vision, shin bat, shin tlat gavda dna, bat bat ayn, c'est le shin, c'est les trois couleurs de l'œil, et le bat, c'est la pupille de l'œil. Alors le Shabbat, c'est la vision des choses qui est adaptée à toi. Donc Shabbat c'est shalom. Shabbat, il y a le shalom, c'est-à-dire la paix entre le carré et le rond. ומאחר שנכללים בבחינת קדושת יום שכולו שבת ומנוחה. Puisque maintenant, il s'inclut dans le jour qui est entièrement Shabbat et repos, dans cette sainteté-là, et des init kadesh mishkan shu bkhinat binyan echal kodesh. Ça sanctifie le Mishkan, qui est la construction du palais saint, le palais d'Hachem. Shenuchal la'asok bazeh lekarev nefashot l'Hachem yitbarach. Que maintenant, on peut rapprocher des gens d'Hachem. Qui en banu koach la'asok bazeh ki im bekor hatzadikei emet hamuflagim bema'ala me'od shenistalku shem bkhinat Shabbat. Parce que on ne peut pas rentrer dans ce travail-là, c'est-à-dire de rapprocher ces gens d'Hachem, si ce n'est par la force des tzadikim véritables, mouflagim, c'est-à-dire extraordinaires, de niveau extraordinaire, qui sont déjà décédés et qui sont dans le principe du Shabbat. Donc on vit pas dans, c'est-à-dire que ce qu'on vit, on le vit par rapport aux tzadikim qui sont déjà décédés, c'est-à-dire le fait que maintenant il fallait prendre les ossements de Yosef, le fait que maintenant la Géoula dépend des ossements de Rabbeinu, c'est-à-dire de l'attachement au tzadik qui est physiquement, qui n'est pas là, et justement le fait que physiquement il n'est pas là, c'est comme ça qu'il peut nous aider, parce que si physiquement il était là, il serait obligé d'avoir un rapport de rond et de carré par rapport à ce qu'il y a dans ce monde, là où il est par rapport à ce monde. Mais dans l'autre monde, il arrive à un niveau de rond très très élevé, mais comme c'est un tzaddik véritable, il reste en contact avec le carré, avec en bas. Et ça lui permet de pouvoir intervenir. C'est pour ça qu'il a dit, pourquoi vous faites du souci? Du moment où je marche devant vous, je pars avant vous, vous n'avez pas de souci à vous faire. Ceux qui sont partis, il dit avant moi, eux, ils peuvent se faire du souci parce que peut-être ils vont arriver, peut-être ils vont pas arriver. Mais là, le fait que moi, je pars avant vous, il a dit, Rabbeinu, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc, il est clair, Rabbi Nathan, parce que qui en banu koach la asok bazé, on ne peut faire ce travail-là de rapprocher des âmes à Hachem, qui im bekoach atzadik emet muflagim bema'ala me'od, des tzadikim véritables qui ont des niveaux très très élevés, chez Nistalku, chez Mprinat Shabbat. Qui achar istalkutam, daika zochim beyoter le Mprinat Shabbat. Parce qu'une fois qu'ils sont décédés, alors ils rentrent encore plus dans un rond encore beaucoup plus grand. C'est-à-dire, ils arrivent à des niveaux de découverte encore beaucoup plus grands. Mais c'est toujours Beshabbat, c'est-à-dire toujours Beshalom. Il n'y a plus ce principe-là de décalage. Parce que tout de suite, il s'inclut dans le jour qui est entièrement Shabbat et repos. Et maintenant, c'est avec ça précisément qu'on peut s'occuper de la construction du Mishkan, la construction du Echal, c'est-à-dire la construction de cette structure d'accueil pour ces âmes-là. Chez Zéikar Avoda, chez Bamishkan, que tout le travail du Mishkan et du Temple, c'était de faire pardonner les fautes du Ham Israël et de le rapprocher d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'il a été inauguré, il a commencé à fonctionner le Mishkan, précisément quand ils sont morts, Nadav et Avihu, qui étaient des grands tzadikim. Ils n'ont pas réussi de leur vivant à faire ce qu'il fallait faire, mais comme c'était des tzadikim, même que dans la méthode, ils se sont trompés, mais l'intention, elle était bonne. Donc, ils ont servi de sanctification du Mishkan. Et donc, le Mishkan, il a démarré grâce à leur istalkout. Voilà, et après, bon, on va voir, Bezat Hashem, comment Moshe Rabbeinu, il a géré cette chose-là. Donc, Baruch Hashem, on voit que le fait que le tzaddik, il a quitté ce monde, c'est que pour le bien de ce monde, c'est pas pour autre chose. Tout le monde est gagnant.
Seulement, bien sûr, que quand le tzaddik quitte le monde, c'est la fin d'Hollywood, c'est fini, il n'y a plus d'Hollywood. Tu ne veux plus tourner, il n'y a plus les poses, les photos, les trucs, c'est fini, Hollywood est terminé. Celui qui cherche, il va trouver, celui qui ne cherche pas, il va rien trouver. Il n'y a plus de films, il ne peut plus jouer, il n'y a plus jouer, parce qu'il n'y a que les gens qui cherchent vraiment, mais ceux qui cherchent, c'est extraordinaire. C'est ouvert, c'est adapté, c'est merveilleux. Mais il faut chercher. Quelqu'un ne cherche pas, il ne va rien trouver. Parce que les salles de cinéma sont fermées, c'est fini. Il n'y a plus de Charlton Heston, terminé. Les 10 commandements, c'est fini. Waouh, les trucs. C'est terminé. L'imagination est terminée. Ou tu cherches ou pas. Vous regardez mon chapeau rond avec un autre regard. Ouais, c'est... voilà le clap du fin du mensonge, exactement. Bezat Hashem, Bezat Hashem, on avance tout par le corps du tzaddik. Tout par le corps du tzaddik. Rabbeinu est là, il marche devant nous, il s'occupe de nous, il nous protège, il nous dirige. On voit dans chaque détail, mamash, chaque détail. C'est extraordinaire. On n'a vraiment pas. Il ne faut pas se soucier, il faut avancer dans la joie, c'est tout. Rabbeinu dit soyez joyeux, vous avez un rabbi comme moi, soyez joyeux. On travaille la Emouna, Nedarim, Emouna Trachamim, c'est tout. La Emouna, augmenter la Emouna, c'est tout. Plus il y a de la Emouna, plus la prise en charge, elle s'approche de 100%. Prise en charge 100%, tu ne payes rien. C'est extraordinaire. Tu ne vas pas te tromper. Toute l'angoisse, c'est se tromper. Tu ne peux pas te tromper. Merci, Kait M. Hachem, et vous bénisse pour Daka pour Rabbeinu. Emma Manuel, vous dites que vous avez l'impression de piétiner. Tant que vous êtes avec Rabbeinu, vous faites les conseils de Rabbi Nachman, ça ne piétine pas. Seulement, vous pouvez pas savoir, vous rendre compte de ce qui se passe avec vous. Merci, Madame Benassera, Feneder de Dakar, Hachem vous bénisse, Bezat Hachem, Bracha Vatzlacha pour vous, votre famille, que des bonnes nouvelles, beaucoup de santé, de réussite. Voilà, pendant le Homer, vous voyez, c'est intervention chirurgicale. Oui, le rond et le carré, on en parlera, Bezat Hashem, beaucoup, parce que c'est fondamental. Oui, Bezat Hashem, on va faire l'écouter de Philote d'aujourd'hui. Voilà. Ribono shel olam atzileni brachamecha rabim shelo eye nivhal lehon. Maître du monde, sauve-moi dans ta grande miséricorde que je ne sois pas emporté vers la richesse. Velo atrid et daati lirdof achar parnasa. Je fatigue pas mon esprit à courir derrière la parnasa chas v'shalom. Beigiot gdolot avec de grandes fatigues ou betichot atzumot et des efforts énormes chas v'shalom. Rak tashpia Allah Ibrahamecha, envoie-moi par ta miséricorde, Vetita, Vetikva, Belibi, Emuna, Obitachon, Shalem, Behemet, et que tu plantes dans mon cœur de la Emuna et du Bitachon, de la foi et de la confiance complète, vraiment, Veye, Boter, Bachem, Levad, et que j'ai uniquement confiance dans Hachem, Veda, Vehamin, Behemet, et que je sache que j'ai confiance vraiment. Kilo memotsa memarav midbar arim, que ça va pas venir ni de l'ouest ni de l'est ni du désert. Kilo bekocho igbor ish, c'est pas avec la force que quelqu'un va réussir. Venir cholet klal bekochi beotsem yadi lasot chayil vashirut klal, et que j'ai pas du tout la force moi de réussir et de faire de la riche et d'être riche. Rak akol mitra leva, tout c'est que toi qui décides. Aosher veakavod milefenacha vata moshel bakol, la richesse et l'honneur ça vient de toi. Et toi, tu as le pouvoir, c'est toi qui as le pouvoir sur tout. Bezrat Hashem. Ça, l'écouter de Philote, première partie, la Tfila 23, Bezrat Hashem.
Portez-vous bien, les amis. Bonne journée. Bon après-midi. On se retrouve avec le bal tfila, Bezrat Hashem, à 4 heures, Bezrat Hashem. Zivouk pour notre ami David, cette année, prière et bénédiction pour vous. Amen, amen, Bezrat Hashem. Amen. Merci, Madame Brigitte, Hashem vous bénisse. Jesús que fue de David, de Betel.